de faire, hein, une fois que c'est coupé en tranches. Voilà, ça va caler l'homme, hein, avec un bon morceau de poing là-dessus. J'ai réduit le feu parce que ça allait un peu vite. Ça donne avec le jus des poivrons une espèce de, que j'appelle moi une ragouignasse, un mélange de légumes et de viande. Voilà, bonne franquette. Non mais regardez-moi ça si je ne vais pas me régaler. Allez, bon appétit. Ben, je me régale, hein. Ah, c'est bon, comme d'habitude. Aujourd'hui, le menu est un peu plus élaboré. Et bon, là, c'est du sérieux maintenant, hein. On va donc entamer ces jolis vitolets. Je les ai passés un petit peu au four ce matin, parce que moi, j'aime bien quand c'est bien grillé comme ça, c'est bon, hein. Magnifique, hein. Et la bonne viande bien préparée avec beaucoup d'ingrédients à l'intérieur qui donne ce goût si particulier. Je sens que ça va aller l'appétit, hein, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà. Une petite salade mexicaine au thon avec ses petits légumes et haricots rouges, hein, c'est mexicain, hein. Voilà, ça sent bon, mais c'est tout, c'est pas de la grande cuisine, hein. Alors effectivement c'est pas de la grande cuisine, mais on va dire que ça remplit l'estomac. On va goûter ça. Les copains, une bonne côte de porc, on peut y aller. Au poil, au clair de poil. Bon, petite pomme de terre avec ça. Tout ça est cuit dans la graisse. Tiens, ça y est, comme ma soeur. Elle est dans la quartier, ben, j'ai envoyé un postillon. Voilà, cette famille. Mon petit poivron. Ça m'a l'air bien sympathique, hein. Et puis c'est joli quand c'est ouvert. On va goûter ça. Eh bien, les amis, c'est bien bon, hein. Même si c'est la conserve, ça a du goût, c'est bien préparé, du thon aux tomates séchées, très bien, hein. Ça sent les herbes de Provence également, hein. Bon, c'est peut-être pas plein d'énergie, mais au goût c'est plein de soleil, hein. Voilà. Oh la bien belle terrine aux fines herbes et à l'ail. Je peux vous dire que ça sent bon, hein, quand on ouvre la boîte là. Voilà, encore une petite trouvaille de chez Enaf, hein. Très très bien ça. Le pâté Enaf à l'envers. Alors là, bah, c'est tout simplement une merveille, hein. Une merveille. Quel goût. Vraiment un pur délice. Hein. Très très bien. Tout ça est bien bon. Et je me régale. Hein. C'est bon, c'est frais, la rillette de thon.
pas mal hein, cette rillette de thon. Rillette de thon au poivron, ça a du goût. Très très bien. Bon ben, comme disait mon petit papa, maintenant on va attaquer le saucisson, le sauciflard, disait-il. On va saucissonner, plus précisément. Voilà. Alors, on ne parle pas la bouche pleine, mais alors ce saucisson est excellent. Je viens de l'ouvrir, ce joli pâté Enaf, 100% pur porc. Avec ce bon pain, ça va être merveilleux, ça. Oh, regarde comme c'est beau. Mais il est extra, hein, ce pâté Enaf. Et puis voilà, une belle ratatouille avec ça. De quoi faire, hein. Très très bon. Je viens d'entamer, très bon. Le pain également. Bien cuit, bien levé, bien croustillant. Bon, allez. J'ai un peu ce blouson là parce qu'il fait bon là. Relevez les manches. Et puis ben on va attaquer hein, les copains, on va attaquer, on va commencer par la saucisse sèche. La petite saucisse sèche. Mmh. Ouais, hein. Je vous dis que ça. Hum? Oui, bien. Hein. Même très bien.